Bonjour. Bonjour. Entrez. Prenez place. Merci. Mon nom est Béatrice et je suis sûre que c'est vous la directrice des ressources humaines. Oui, c'est bien moi. Merci de respecter l'heure. Je prends mon travail très au sérieux. C'est une bonne chose. Et donc, vous m'avez dit au téléphone que vous auriez besoin de mes conseils juridiques. Oui, bien sûr. Puis-je savoir sur quelle affaire je peux apporter mes conseils? Oui, c'est compliqué. Compliqué, c'est mon truc. Ok, juste une seconde. Quelqu'un doit nous rejoindre pour cette réunion. Oh, ok. Très bien. Accorde-moi quelques secondes et je vais contacter la personne. Oui, s'il vous plaît, faites-le entrer. Merci. Ok, c'est déjà fait. Alors, Oui, entrez. Waouh, bienvenue, monsieur. Merci. James? Béatrice. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Je pensais que c'était une réunion d'affaires. C'est la personne que nous attendions. Bon, dites-moi, on joue à quoi ici? Et pourquoi je me retrouve ici avec lui? Que veut dire ceci? S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur James. Pouvez-vous prendre place? Oh, Seigneur. Je sais que c'est très déroutant, mais je... Je m'excuse. Prenez place et laissez-moi m'expliquer, ok? Je vous promets, c'est très important. Bien. Je vais d'abord commencer par me présenter moi-même. Mon nom est Aïcha Imani. Et je suis une conseillère conjugale. Ce sont des proches à vous qui se dérangent et qui m'ont demandé de m'occuper de vous. Hein? Et pourquoi ils ne se contentent pas de se mêler que de leurs affaires? Vous les avez suppliés? Ce sont nos membres de famille seuls qui connaissent les problèmes. Mais mes gens ne feront pas ceci. Non, ils ne feront pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se mêler comme sa sœur dans les affaires d'autrui. Je suis sûr que c'est elle qui a fait ceci. Et pourquoi est-ce que tu mêles ma sœur à tout ceci? Moi, je suis sûre que ça ne peut être que ta fouineuse de mère. Vous l'avez entendu? Elle a encore commencé. Parlant de ma mère sans respect. Non, tout ce que je suis en train de dire, c'est que ta famille est incapable de laisser même une mouche passer. Viens-tu d'insulter ma famille? Et est-ce que tu ne viens pas d'en faire autant pour ma sœur? Toi, cette pute, je ne veux pas te le rester. Non, non, je ne vous permettrai pas d'en faire. Monsieur, madame, au cafo. Juste en vous écoutant, je sens vraiment qu'il y a un très grand problème. Peu importe ce qui vous arrive, vous devez savoir qu'on se marie pour rester ensemble. Et je pense que vous devez l'essayer. Et si cela ne tient pas, dans ce cas, séparez-vous. D'accord, je suis mis de temps. Ça va. Je suis sûre que ça va être une perte de temps. Mais comme je ne veux pas endosser le rôle de la mauvaise, allons-y quand même. Et si on pouvait commencer en lui demandant pourquoi est-ce qu'il sent du parfum féminin? Quoi? J'aime pas utiliser le parfum des femmes. Mais alors pourquoi est-ce que tu en mets? Tu sais quoi? Si ton sens de l'odorat pouvait être transféré dans ton système afin que tu puisses voir au-delà de tes narines. Oh, s'il y a bien une personne qui devrait voir au-delà de ses narines, c'est toi. Ne vois-tu pas que je suis la meilleure chose qui me soit arrivée? Tu vois? La meilleure chose qui me soit arrivée? Oui, oui, mon gars, la meilleure chose. Oh, s'il te plaît, toi aussi. C'est inimaginable ceci. Qu'est-ce qui est si important sur toi? Je pense que tu devrais changer de disque. Je ne sais pas si je peux vous appeler par votre prénom. Moi, ça va. Je ne sais pas ce qu'il en est de lui. Ça ne me dérange pas. Si je peux demander, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 2 ans. Et 6 mois, 7 jours, 5 heures et aussi peut-être 45 misérables minutes. Misérable? Avez-vous entendu cela? Misérable, n'est-ce pas? D'accord? Monsieur, madame Okafo, c'est toujours comme ça que vous agissez? Qu'il réponde. Voyez, elle était une grande femme avant le mariage et quelques mois après le mariage. Elle avait tout ce que j'ai toujours voulu chez une femme. Honnêtement, tout était très merveilleux la première année de notre mariage. Écoute,
mon humble résidence, plus belle maison. J'ai trouvé un nouveau job et plus important, je t'ai trouvé pour toujours. Oh, c'est trop mignon. Tu te rappelles quand je t'avais dit que tout se mettrait dans l'ordre naturellement? Oui, tu l'as fait. Alors, à présent que nous sommes ici, je pense qu'il est temps que nous commencions à avoir des bébés et fonder notre vraie famille. Je pense que ça me plaît ce que tu viens de dire. Tu trouves? Tu sais ce que je pense d'autre? Quoi? Je pense que peut-être nous devons commencer le travail en faisant le bébé maintenant. Non, James! Des choses à faire. Ah, allez, ne t'attends. Je t'emmène à l'intérieur maintenant, bébé. Je t'emmène là-bas, maintenant. À l'intérieur. Tu penses aller comme ça sans avoir pris ton petit déjeuner? Il est déjà 8h. Je ne veux pas être en retard. Donc tu ne fais pas déjeuner? Ah chérie, je viens de te dire qu'il est 8h déjà. Tu sais quoi, je trouverai ta chose à manger. Non, hors de question. Il n'est pas question que j'aille te laisser manger de la nourriture dont moi je ne suis pas sûre. Bébé, je ne veux pas être en retard. Ok, très bien. Mais écoute, c'est la dernière fois que je te laisse quitter la maison pour aller au travail sans avoir pris ton déjeuner. D'accord madame, puis-je maintenant m'en aller? Oui, tu peux. Bonjour. Qui est-elle? Oh, elle, c'est l'autre. Au fait, tu sais, bébé, je voulais que nous puissions parler à ton proto du boulot. Nous disons que j'ai contacté une agence spécialisée pour leur demander de l'aide et voilà, son nom est Agnès. Agnès, Marie. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Tu sais quoi, je ne peux pas m'occuper de ceci maintenant. Bonne journée, chérie. C'est là-bas. Non, tu sais où se trouve la cuisine, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il faut aussi que tu saches où se trouve la buanderie. Ce que tu as à faire, c'est de te familiariser avec toutes les pièces de la maison. Ok. Quant à moi, je vais revenir à la maison vers 16h. Ok. Ah oui. Bon, là, faut que je me dépêche pour aller au boulot. Bon. Ah oui, une dernière chose, Agnès. Ton maquillage, il faut que tu allèges. Ah oui, et ton français, parle simplement. Oh là là, tu vois, j'ai exprimé mes sentiments et mon caractère. Salut bébé. Chérie.
dois encore avoir faim. Tu n'as pas vraiment faim? Bon, je vais aller pour nous servir quelque chose à manger. Ça te va, j'espère? C'est vrai? Tu veux que tu prépares le dîner? N'es-tu pas fatiguée? Bien sûr que je suis fatiguée, mais mon mari doit manger. D'accord, tu sais quoi? J'irai moi-même à la cuisine et je te montrerai ma compétence en art culinaire. Oh, James est un chef étoilé. Ouais, tu me connais, c'est moi. Ça, c'est bien un truc que je préfère. Je vais aussi gagner mon mari. Il est heureux. J'aime bien, vous êtes un amour. Ça, c'est tous les jours. J'ai constaté que le monde se démissionne comme de l'eau dans le robinet. Votre façon de jouer, vous êtes comme les carottes et les lapins. C'est bien, oh. J'ai aidé chez la maison. Tu as le directement pour moi. C'est ce que j'ai dit, non? Quand vous faites le moula, j'aime ça. Ok, non, voilà. J'avais fini mon travail. C'est comme ça que je suis venue vous dire que je voulais partir à la maison. Ok, dans ce cas, on se voit demain. Agnès, sois bon. Demain, je serai là. Kia, demain matin, continue au gars. Oui, Agnès. C'est mon appel. À demain. Chérie, toi, tu as amené cette fille. Elle parle de façon drôle. Bébé, essaie de comprendre qu'elle est comique. Mais elle est très drôle, as-tu entendu? J'admets, j'admets. Je le reconnais. C'est vrai qu'elle parle de manière drôle. Mais d'autre part, elle est très marrante. Et tu sens la besoin d'un peu de comédie. Dans cette maison, nous sommes trop sérieux. Bien, elle nous a comparé au carottage. Et je pense que toi, tu es le lapin et moi, je suis le lapin. Attends. Je ne veux pas que tu fasses la prise, d'accord? Béatrice, tu sais, à chaque fois que tu perds ta tête ou tu te fâches, j'aimerais que tu commences un peu à aspirer et penser à la bonne chose qui t'arrive à la tête. Était carrément parfait. Je veux dire, nous vivions la vie dont nous avions toujours rêvé. Il était le gentleman parfait. Et il correspondait à toutes mes attentes. Et puis soudainement, il a commencé à cesser d'aimer celle que j'étais. Bien, tu n'étais plus qui tu étais. Tu as changé pour quelque chose d'autre. Oh, voilà qu'il dit que j'ai changé. Et tu n'as peut-être pas pensé au fait que c'est toi qui as changé. Quand j'ai commencé à travailler, il ne faisait plus attention à mes besoins. Tout ce qui comptait, c'est ce que lui, il voulait. Il savait combien mon boulot était exigeant. Mais il attendait de moi que je tienne la maison comme si j'étais une femme au foyer. Et pourtant, il sait pertinemment que je ne peux pas le faire à cause du type de travail que je fais. James, tu veux que je démissionne? Fais ce que tu veux. Ok, bien. Au moins, vous avez admis qu'au début, tout était bien. Et en cours de route, vous avez connu des problèmes. Je veux que vous puissiez revenir dans le droit chemin. Pour voir là où les choses ont basculé, je peux encore dire mieux, les choses ont changé. Et nous allons faire un exercice que je fais avec tous mes clients et ça marche très bien. Vous allez vous dire ce que chacun de vous n'aime pas. Et si c'est possible, vous pouvez donner un exemple de un caractère que vous détestez. On peut commencer par James. D'accord, bien, mais pourquoi seulement peu? Quand il a des tas de choses que je n'aime pas au sujet d'elle. Oh, pitié, et qui est fan de toi? Béatrice. Laisse-le parler. James, s'il te plaît, continue. Madame, je crois que vous faites la cuisine pour votre mari, n'est-ce pas? Je le fais à tout moment. Merci. Merci beaucoup. Voyez-vous, voilà une qualité très importante qu'elle n'a pas. Une bonne femme doit s'assurer que son mari est bien nourri. Mais quand j'essaie de le dire, elle commencerait pas à se disputer. Ça ne s'arrête pas seulement à la dispute, mais ça aboutit à la guerre. Oh non, 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 non! Est-ce qu'il fallait que tu sortes sur moi? Veux-tu le nier? Oh, comment tu... Oh.
Respire profondément, Béatrice. Don Jazzy vient de liker deux de mes photos sur Instagram. Je vais garder mon calme. Mais maintenant, tu harcèles. Est-ce parce que tu crois que ce que tu fais est juste, que tu m'as insulté? Tu sais quoi, James? Va te faire voir. Hein? Que tu fasses quoi? Comment aussi? Bébé, reviens ici. Tu ne dormiras pas dans cette maison si tu ne fais pas là. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord, madame, dis-nous comment ça s'est exactement passé. Oh oui, je vais le faire. Quand je m'engageais pour ce mariage, je croyais que je m'étais mariée à mon partenaire de vie et non pas à une personne aussi égocentrique. Comme je vous l'avais dit, je prends mon travail très au sérieux. Mais cela ne veut pas dire que je ne prends pas mes responsabilités à la maison. La nuit dont il a parlé, je suis rentrée à la maison très tard et aussi très fatiguée. Il n'a pas voulu savoir comment était ma journée. Il n'a pas voulu savoir si j'étais fatiguée ou non. C'est sur le champ qu'il m'a demandé sa nourriture. Tout ce qu'il voulait, c'était un repas fraîchement cuisiné. Avec James, pas de nourriture congelée. Il faut absolument que sa nourriture soit fraîche pour lui. Peut-être tu prends trop au sérieux ton travail. Peut-être que tu as besoin de comprendre que tu es premièrement ma femme avant la carrière d'avocat. Peut-être tu dois savoir comment être une bonne femme. Parce que la plupart de ces petites filles le savent. En réalité, je pense qu'elles font bien le jeu plus que toi. Maîtrise-toi un peu, James. Vous voyez? Donc s'il faut citer, voilà l'une des choses que je n'aime pas chez lui. Regardez même comment il plaisante avec ça. Et même, c'est carrément évident qu'il pense que c'est avant tout une blague tout ça. Tu sais quoi, James? Tu confirmes mes soupçons comme quand tu as des liaisons avec d'autres femmes. Réponds à ma question, James. De quelle fille parles-tu? Oh, tu pensais que je n'allais pas découvrir qu'il y avait une fille dans ma voiture ce matin? Et ça, ce n'est pas la première fois que ça se passe. S'il te plaît, pouvons-nous arrêter ceci maintenant? Oh non, James, j'essaie de changer le sujet là. Réponds-moi. Tu vois, c'est bien de te voir jalouse. Mais ça serait mieux si cette jalousie pourra t'amener à être une bonne femme. Ou bien peut-être tu veux que je prenne une deuxième épouse. Et la façon dont tu agis tes derniers temps, ne te plains pas si cela arrive. Comment tu peux dire à ta femme que tu vas emmener une autre femme dans la maison? Point de correction. Je ne t'avais pas dit que j'amènerais une deuxième épouse. Je t'avais dit de ne pas te plaindre si cela arrivait. Si tu le faisais... Oui. Ça ne devrait même pas être une probabilité. Écoutez, je suis d'accord que j'avais dit certaines choses qui l'amèneraient à croire que je la trompais. Mais ce n'est pas ça le problème. Non, 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 ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème ici est qu'elle ne fait pas confiance en moi. Je suis surpris qu'elle ne vous a même pas dit que je lui ai expliqué qui était la fille là. Et ce qu'elle faisait dans ma voiture. D'accord. Bien. Elle s'appelle Grace. C'est une amie, c'est une collègue. Quelquefois, je la prends en allant au boulot et je la dépose aussi en prenant. Elle me dit pour toi-même, je le pense ça. Mais dis-moi, James, pourquoi est-ce que ça devrait être moi qui la traite et la épouse? Elle est mon amie et aussi ma collègue. Sa voiture est récemment tombée en panne et je ne fais que l'assister. Oh, c'est l'heure. Tu
faire. Il dit qu'il n'en a pas. À chaque fois, il ne fait que comme ça. Et puis moi, je lui dis, tu ne peux pas aller chercher une autre femme pour venir habiter notre maison. J'en ai marre. Tu vois cette petite fille-là? Non, on est en train de parler. Cette fille-là qui vend Annale. Tu vas pas acheter ça, tu vas pas acheter. Au lieu de m'aider, c'est qu'elle pensait. Elle est rentrée chez elle, elle a pris ses bagages, elle est venue, et puis elle est dans la maison. Elle est entrée dans la maison. Moi, je ne peux plus rester là-bas et je ne sais plus quoi faire. Que moi je la trompais. Pouvez-vous imaginer? Et elle amène sa soeur dans toutes choses. Et j'ai commencé par me demander si je me suis marié à elle ou à sa soeur. Eh bien, c'est ma soeur. Elle est de la famille. Je veux dire, à qui d'autre suis-je censée en parler? Oui, parce que figure-toi que la personne avec qui je suis censée en parler est cette même personne qui a trahi ma confiance. Et je ne voulais pas le gifler. J'ai juste perdu mon calme. Oh, c'est vrai? Peut-être j'aurais dû perdre aussi mon calme et riposter.
Oui, peut-être que moi aussi je commence pas à perdre mon calme. Peut-être j'aurais dû perdre mon calme toute cette nuit que tu m'as privé du sexe. James, comment oses-tu parler de notre vie sexuelle ici? Notre vie sexuelle n'est pas le problème. Non, non, Béatrice, laisse-le parler. Je dois tout écouter. J'aimerais bien t'écouter, vas-y. La chose est que Béatrice ici ne me donnerait jamais son attention complète quand j'en ai besoin. Oh, toutes ces filles dehors sont prêtes à me donner leur attention et leur soutien. Mais ma femme ici s'en fout pas mal de moi. Ce pauvre idiot, il croyait qu'il pouvait me duper de mon argent. Salut les amis. Petit aperçu d'une journée dans la vie des Zoukafi. Alors, voici mon mari bien-aimé. James, faut que tu dises bonjour là-dedans. Alors, il est tellement adorable que je vous... James, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Béatrice, je t'ai dit plusieurs fois que je n'aime pas ces vidéos instantanées stupides que tu fais. Alors, c'est pour ça que tu m'as balancé au sol comme ça? Oh, Seigneur, James, si tu m'avais alors baissé. Oh, Seigneur, quel mal y a-t-il à m'afficher avec mon mari sur Snapchat? Tu ne dois pas rendre publique ta vie privée, ce n'est pas normal. Et s'il te plaît, chaque fois que tu veux le faire, ne m'y inclus pas. Si tu veux faire ces vidéos instantanées stupides, ne m'y inclus pas. Tu sais quoi, James? James, tu as quelque chose à cacher. Oh oui, tu dois avoir quelque chose à cacher. Parce que c'est seulement les hommes qui veulent montrer qu'ils sont encore sur le marché qui ne laissent pas leurs femmes s'afficher avec eux sur les réseaux sociaux. Oh, tu veux m'accuser maintenant, c'est ça? Et c'est vrai. Regardez, cette chose la transforme en nuisance. Vous savez, elle fait cela constamment, même si nous essayons d'avoir un temps pour nous deux. Regardez ça. Un exemple classique.
J'ai toujours essayé d'avoir un temps spécial avec ma femme que nous avons à peine parce qu'elle est toujours occupée par son travail. Et s'il arrive que nous en avons un, elle prêterait attention aux médias sociaux au lieu de moi. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi crie-t-il comme ça? Oga est soldat. Hein? Je n'ai jamais vu Oga en fait comme ça. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Il est là-haut. Ça va aller. Ah! Quand j'ai eu mon premier emploi, tu l'as mis sur le net. Quand j'ai acheté ma première voiture, tu l'as mis sur le net. Et tu veux se mettre sur le net quand nous avons le sexe? Qu'est-ce qui te prend? Même si nous avons une dispute ici à la maison, tu vas le mettre en ligne que nous ne sommes pas un couple parfait. Que veut dire cette bêtise? Écoute, Béatrice, j'ai marre de cette bêtise. J'en ai vraiment marre. James, quel mal y a-t-il à être de temps en temps connecté? Je veux dire, tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est pas de ma faute si t'es de la vieille école. Vieille école? Certains moments dans la vie d'un couple sont supposés être privés. Tu ne dois pas permettre aux médias sociaux d'influencer ta manière de vivre. Béatrice, arrête d'être comme tout le monde. Ah, James. Tu sais c'est quoi ton problème? Je pense que tu juges beaucoup trop et tu tires des conclusions très vite. Et le pire, c'est le fait que même quand tu remarques que tu as tort de toute flagrance, il est difficile pour toi que tu t'excuses. Tu sais quoi? Je commence même à penser que qu'il y a quelque chose en rapport avec le surnaturel que tu ne dis pas. Père, je reçois ta bénédiction sur mes entrailles dans le nom puissant de Jésus. Je reçois les promesses que tu as prononcées sur ma vie. Peu importe d'où ça vient, peu importe qui se cache derrière ton infertilité, que ce soit de ma famille, que ce soit de la famille de mon mari, mais je suis sûre que c'est de la famille de mon mari parce que hein? Cela est mon chapitre. Pourquoi me dis ceci? Dois-tu prier? Ne peux-tu pas prier comme un être humain raisonnable? D'ailleurs, dois-tu prier tout le temps? C'est ce que prend la plupart du temps. Ah! Ah. Écoute, il est 2h du matin, tu vas réveiller du sommeil. Écoute, tu dois arrêter cette bêtise que tu fais. Tu dois laisser arrêter. Et tu es la seule femme qui n'est pas d'enfant. N'importe quoi. Ah, criant partout. C'est quoi ça? Et puis, je suis restée là, à pleurer. Mais lui, il m'a vraiment laissée là. Elle n'a jamais présenté des excuses pour ses paroles, et ce jusqu'aujourd'hui. J'essaie seulement d'exprimer mes sentiments. James. Je pense qu'il est temps pour toi de mettre du vin dans tes paroles. Tu peux le dire. Tu peux dire quelque chose de bon à ta femme. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Tu n'as pas à t'énerver là. Et pour avoir des enfants, c'est juste faire tout ça. Je suis désolé. Dis-lui pourquoi tu es désolé.